La peur et la confusion s'immiscent dans la troupe. Blessé, mais pas vaincu, le tyran ne renonce pas. La peur et la confusion s'immiscent dans la troupe. Il n'y a qu'une seule façon de sauver les petits. Tsebe doit se sacrifier pour permettre aux autres de s'enfuir. Mieux vaut voir sa famille séparée que déchiquetée. Tsebe et une des sœurs distraient leur dangereux admirateur. Pendant ce temps, menée par Tata, la troupe ira se mettre à l'abri. Tsebe ne les reverra jamais. Les derniers adieux. Tsebe et sa sœur sacrifient leur liberté pour sauver leur famille.